Bonjour à tous, il est vendredi. On est le 24 avril. Pourquoi je suis sur ma caméra de mon ordinateur? C'est parce que je vais utiliser beaucoup l'ordinateur aujourd'hui pour faire l'atelier en fait de pixel art. Vous verrez pas beaucoup ma face, c'est bien correct comme ça, pendant un bout. C'est ça. Là, je vois qu'il y en a qui avaient peut-être de la difficulté à télécharger le logiciel. Je peux peut-être vous aider là-dessus. Je vais tomber en mode diffusion de mon écran. Comme ça va peut-être pouvoir vous aider. On passe à ça. Ce qui va être bien important, vous allez sur Google. Sur Google, vous tapez Pixel Studio. Ensuite, il va sortir plusieurs sites. Moi, personnellement, je l'ai téléchargé sur Steam parce que j'ai un compte Steam. Steam, c'est quoi? C'est une plateforme de téléchargement de logiciels de jeux. Ce qui pourrait être simple pour certains, c'est de l'installer. Premièrement, vous installez Steam, qui est la plateforme. Ensuite, quand ça va être fait, je vais aller sur mon bureau. Vous allez avoir une icône ici, Steam. Vous allez pouvoir l'installer. Puis ensuite, quand ça va être fait, vous allez arriver dans le fond sur la page du magasin de tous les logiciels. Puis ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est le chercher. Vous allez devoir le chercher dans Steam. Ici, j'écrirai Pixel Studio. Puis là, vous voyez, il sort. Rendu là après ça, ben, des fois, ça peut être long, là, charger là, la plateforme. Vous allez aller dessus. Puis ensuite, vous allez devoir le télécharger. Ici, on peut voir les gratuits. Fait que vous cliquez dessus et vous téléchargez. Ensuite, quand ça va être fait, il va être sur votre bureau. Vous l'ouvrez comme un logiciel ordinaire, là. Sinon, pour les autres, il l'a aussi sur iPhone et sur Android, donc sur le Google Play Store ou sur le App Store du iPhone. Jusque-là, j'espère que tout va bien pour vous. Je vais pouvoir même chatter avec vous. Comme je disais, le télécharger sur le logiciel serait plus simple. Parfait. Bon, et en plus, on chatte en même temps. OK, donc je vais vous montrer mon écran. De toute manière, quand vous l'ouvrez sur Google Play ou sur le App Store, c'est le même logiciel. C'est exactement la même chose. Moi, je l'utilise sur mon iPhone. Puis c'est pratiquement le même logiciel. Donc les mêmes outils, les mêmes choses. La première chose à faire quand vous allez l'ouvrir pour la première fois, ça va être de créer, dans le fond, je vais faire un nom. Créer un nouveau projet. Moi, ce que je vous conseille, ça, c'est le nombre de pixels. C'est des carrés, hein? Sinon, on peut unlocker puis faire d'autres formes. Dans le fond, moi, je vous conseille 64 par 64 pixels parce que c'est assez pour être détaillé, mais pas trop. Parce qu'au début, ce qu'on veut, c'est que ça soit pas trop détaillé. Je vais juste voir si tout est beau. Je reviens à mon logiciel. Parfait. Je vous conseille de faire 64 par 64. Fait qu'on va faire créer. Là, ça va vous montrer un quadrillé comme ça. Fait que là, je vais vous expliquer les outils. Puis ensuite, ben, on va commencer ça. En haut. Ici, en haut. C'est quoi les carrés avec les plus? Ben, c'est les couleurs. Fait que vous pouvez aller dessus, comme dans Paint ou dans un logiciel pour dessiner.
pouvez choisir des couleurs. Donc là, on va prendre du noir. Quand vous avez voulu sélectionner une couleur, vous mettez le petit rond où vous voulez, puis vous faites sélectionner. Ensuite, vous allez voir, elle va apparaître. Fait que là, j'aurai besoin sûrement du blanc. Fait que je vais faire la même chose. Du blanc. Je peux prendre du rouge. Puis, on va commencer comme ça. Ensuite, si jamais ça vous tape ses nerfs, les couleurs, vous faites toujours les cacher en utilisant le petit onglet en haut à droite pour le cacher. C'est bon. Donc, je vais passer aux outils en bas. Donc, la barre en bas, c'est tous vos outils pour créer des pixel art. Donc, le premier à gauche, ça, c'est le menu. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour sauvegarder ou pour pouvoir enregistrer vos pixel art ou pour voir un aperçu. Je vais vous montrer ça plus tard. Donc, on va fermer ça. Ça, les flèches, gauche et droite. Dans le fond, c'est pour revenir avant ou pour aller vers l'arrière. Si, mettons, vous avez fait une erreur, je ne sais pas moi. On va essayer, là, je vais vous montrer. Je dessine de quoi? Bon, je trouve ça pas beau. Je clique pour revenir. Comprenez? Puis si, mettons, j'ai fait une erreur, je vais le garder. Je reclique, puis ça réapparaît. Donc, on va l'enlever. Ensuite, ici, c'est la palette de couleurs. Donc, c'est la même chose que si je cliquais là, sauf que, dans le fond, là, je reviens à la couleur que je suis. Par exemple, si, mettons, là, je clique sur le rouge, je vois ma palette de couleurs. Ah, là, il est rouge. Fait que là, je peux changer ma couleur directement. Encore là, toujours en cliquant sur sélectionner. Le crayon. Ça, ici, c'est bien important. C'est ça qu'on va servir pour dessiner. Fait que ça va être ça, le crayon. La pipette. Par exemple, je vais faire un dessin vite vite, là, je fais un rond. Bon, là, je me dis, ah, je ne sais pas c'est quoi cette couleur-là, je voudrais ça l'avoir. Je clique sur la pipette, oups, automatiquement, elle apparaît dans ma palette de couleurs. C'est bon. Je vais revenir en arrière pour voir si vous avez des questions. Je suis désolé, là. Parfait. Question à date. Ensuite, encore là, je vais faire un dessin. Bon, un dessin vite vite. Ça, c'est les faces. Encore là, les faces, elles permettent d'effacer les pixels. Hein, c'est bien clair. Le petit saut, c'est comme dans les autres logiciels. Ça sert à remplir une zone fermée avec une couleur. Fait que, mettons, je fais un genre de rond. Je veux le remplir. J'utilise le saut de peinture. Et je le remplis. 5. Ensuite, ça ici, ça sélectionne une région. Donc, ce qu'on peut faire, c'est bouger cette région-là. Donc, il y a quelqu'un qui me parle, je vais lui dire que je suis en atelier. Donnez-moi 2 petites secondes. Donc, c'est ça. Ici, tout ce qui est les outils qui apparaissent parce que là, comme vous voyez, si mettons j'ai rien sélectionné, ils apparaissent pas. Quand je sélectionne, ça c'est bien, bien, bien pratique, vous allez voir là. Ça ici, le premier, ça sert à grossir ou changer la forme. Fait que là, je peux agrandir ma forme, je peux la bouger comme je veux. Fait que ça, c'est bien pratique. Ensuite, ça ici, c'est pour faire pivoter ma forme. Ça aussi, c'est bien pratique. Fait qu'on peut y aller à gauche ou à droite. Ensuite, le X, c'est désélectionné. Ça ici, c'est effacer. Donc là, je peux effacer ma sélection. Ensuite, ici, c'est couper. Couper, dans le fond, c'est que ça l'enlève, mais ça l'enregistre pour que je puisse la recoller. Fait qu'on ne l'utilisera pas. Puis ça, c'est dupliquer. Fait que là, je peux le copier. Ça, c'est coller. C'est copier, dans le fond. Donc là, quand je reclique, elle colle. C'est pratique, hein? Donc,
C'est des outils très pratiques. Ensuite, la baguette magique. La baguette magique, elle sélectionne un groupe de pixels voisins similaires en fonction du ton de la plaque. Ça veut dire qu'elle va sélectionner toutes les autres. Donc, dans le fond, je clique ici. Puis là, ça sélectionne tout le rouge. Encore là, plus j'y vais, plus ça sélectionne mon rouge. Puis ensuite, ben, je pourrais le bouger. Je vais vous montrer comment tantôt. Avec le curseur ici, la flèche. Fait que là, je peux bouger ma sélection. Encore là, ça se peut que ça soit abstrait pour vous, c'est normal, mais moi au début, je m'y perdais un peu. Fait que vous reviendrez dans la vidéo pour voir le tutoriel si jamais. Mais encore là, si vous utilisez sur l'ordinateur et vous cliquez droit sur les objets, comme je fais depuis tantôt, ça vous dit qu'est-ce que ça fait. Donc, on va être rendu ici. Les layers, ce qui veut dire couche. Pensez comme un oignon. Il y a plusieurs couches. Fait que là, mettons que je fais un dessin. Je vais vous montrer un exemple. Dans le fond, je vais faire un rond. Fait que là, je vais effacer ce que j'avais depuis tantôt, là. Fait que là, je vais faire un genre de rond. OK. Voilà. Ok, ça ressemble à un genre de rond, ça. Fait que je retourne dans mes layers, mes couches. Le plus, à quoi ça sert? Le plus, ça crée une nouvelle couche. Ça, c'est vraiment pratique, vous allez voir pourquoi. Je vais zoomer. Ça, encore là, j'utilise ma souris pour zoomer. Ceux qui ont le iPhone ou la version tablette, ça va être à droite. Il va y avoir une petite loupe. Puis quand vous pèsez dessus puis que vous montez, ça zoome. Puis quand vous pèsez dessus puis que vous descendez, là, ça dézoome. C'est vraiment pratique. Fait que moi, j'utilise ça souvent. Donc ici, je veux mettre des détails. Des yeux. Bon, je vais faire ça. Puis je veux une bouche. J'ai fait ma bouche et mes yeux. Là, finalement, je veux les garder, mais en même temps, je veux voir qu'est-ce que ça a l'air sans. Ben, c'est ça que ça sent les couches. On peut enlever en recliquant sur ici, là. Vous pouvez l'enlever. C'est merveilleux. Puis vous allez voir, tout comme les menus, là, ça, il y a des options qu'on peut faire. Fait que si on vient cliquer en bas à droite, là, où est-ce que le petit point bleu, là, où est-ce que les couches et le petit point bleu, vous cliquez. Et là, vous avez plein d'options vraiment intéressantes. Vous pouvez utiliser la transparence. Fait que là, si mettons, je le mets à 50%, oh, ma couche est devenue fusionnée un peu avec l'autre image. Si je reviens en arrière, oups, pardon. Si je reviens là et que je le mets à 100%, oh, il est revenu normal. Fait que vous pouvez jouer avec le niveau de transparence des objets. Ça, c'est bien pratique. Sinon, ben, il y a d'autres options comme, par exemple, si à un moment donné, vous êtes rendu au point où vous dites, OK, moi, je veux que tout ça, ça soit une image, vous pouvez fusionner. Fait que là, si vous faites fusionner avec la précédente, là, ça va vous demander, êtes-vous sûr? Vous faites oui. Et là, vous voyez, c'est devenu seulement un calque. Par contre, quand on fait ça, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, vous soyez vraiment sûr. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Vous pouvez cloner sinon. Par exemple, si mettons vous voulez avoir deux fois le même objet, vous pouvez cloner ici. Et là, ça fait une autre couche. Encore là, cette couche-là est indépendante de l'autre. Enfin, vous pouvez la bouger. Je vais en cloner une autre. Et voilà. Bon, je vais revenir voir si vous avez des questions. Parfait. À date, pas de questions. N'hésitez pas si jamais il y a de quoi. Sinon, comme je disais, vous pouvez toujours revenir dans le vidéo. C'est bon? Donc, on va quitter le menu des couches. Ça ici, le petit, ce qui a l'air d'une bobine de film, ben en fait, c'est pour faire des animations.
Je vais y revenir plus tard parce que les animations, moi j'en fais beaucoup. En fait, c'est pour ça que je fais ça, ce pixel-là. Mais en fait, c'est quand même, ça devient un step de plus complexe. Donc, je vais y passer. Et vous allez voir, là, c'est là que tu peux gérer tous tes outils d'animation. F, X, les effets. Ça, là, ça aussi, c'est bien pratique. Parce que là, on a le menu couper, copier, coller, effacer. Découper, redimensionner le projet, on peut ajouter des motifs, on peut rendre ça 8 bits. Encore là, il y a des trucs pour vous aider, là. Les points d'interrogation, ça peut vous aider. Sinon, ben, changer la symétrie, je peux vous montrer. Mettons que je sélectionne. Je vais mettre tout ça dans le même panier, hein. Fusionner toutes les couches. Donc là, c'est devenu une couche. Si je viens ici et je sélectionne, je vais dans FX et là je peux changer l'axe. Vous voyez, ils sont virés. Si je le refais, et voilà. On peut faire ça, on peut faire des symétries. Encore là, il faut sélectionner. Là, ça ne peut pas aller plus loin, là, mais normalement, il se tassera à droite. Fait que ça, c'est pratique. Tout ça, là. J'irai pas plus loin dans les palettes et tout, là. Ça, c'est un peu plus complexe aussi. Ça vous permet de changer les couleurs. Là. Faites un dessin, vous voulez tout changer les couleurs, puis vous sélectionnez un groupe restreint de pixels de couleurs, ben vous pouvez utiliser ça. Ça devient un peu complexe. Je vous dis, on le fera pas. La flèche gauche, droite, en haut et bas, ben ça c'est pour bouger votre dessin. Le zoom, ben ça le dit, ça sert à zoomer. Fait qu'encore là, on peut bouger, puis zoomer. Ça ici, c'est le pinceau, mais le pinceau, vous l'avez juste dans la version payante, je pense. C'est pas grave. Ça, des sprites, ben c'est des dessins déjà faits. Ça aussi, très pratique. Ici, Shape Tool, c'est les formes. C'est pour dessiner des formes. Là, tantôt, vous m'avez vu, j'ai dessiné un cercle, là, ça a été rapide, là. Mais si je veux pas me casser la tête et en faire un rapidement, il y a déjà des formes présélectionnées. Donc là, je peux aller là et dessiner un vrai cercle. Comprenez? Donc encore là, on peut travailler ça comme ça. Faire des cercles sur nos bonhommes. Il est plus petit. Donc là, je voudrais enlever les détails qui je trouve qui dépassent. Je peux enlever le rouge. Inquiétez-vous pas, tantôt on va en faire un ensemble. Vous n'êtes pas obligé de faire celui que je fais là. Là, je vous montre les outils. Fait que là, encore là, j'effacerai le rouge qui dépasse. En haut. Désolé, ma souris, je suis sur mon divan. Ça va pas super bien. Bon. OK. Ensuite, j'utiliserai le seau. J'irai prendre du rouge, puis je remplirai les pixels qui restent. Bon. Fait que là, vous pouvez faire ça. Il y a plein de formes. Comme je disais, là, il y a des losanges, des formes hexagonales, des lignes, des carrés. Amusez-vous. Ça, là, très pratique aussi. Ça permet de faire, dans le fond, des dégradés. La flèche, ça sert à montrer dans quel sens le dégradé va aller. Puis, le nombre, ça sert à dire, mettons, combien qu'il va avoir d'étapes du dégradé. Par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, trois étapes de dégradé qui vont passer du jaune au rouge. Il est déjà là. Ben là, puis je veux que ça monte vers le haut. Je fais ça et vous voyez, il va avoir fait trois étapes. Ça aussi, c'est bien pratique. Donc là, tout dépendant de où vous partez, vous comprenez?
Ça, si je mettais 6 par exemple, là il fait 6 étapes. Fait que c'est vraiment le fun pour faire différentes textures, là, les dégradés. Là. 10, fait que, ouh, plein des étapes. Bon, ensuite, fait que si je changeais aussi la flèche, ben là ça irait à gauche ou à droite, en haut, en bas. C'est vous qui choisissez. Avez-vous des questions? Parfait, pas de questions. Ensuite, le saut ici, Color Replace, c'est comme le saut de couleur ici, sauf que ce que ça va faire, ça va changer toute la couleur dans le dessin qui est de cette couleur-là. C'est pas très clair, là, mon enfant. Regardez, je vais prendre du bleu. Là, je trouve que le rouge, là, j'aimerais ça qu'il vienne tout du bleu, tout le temps. Je vais prendre le pot, ici, le Color Replace. Puis, je vais cliquer ensuite sur le rouge en sélectionnant le bleu, bien sûr. Et là, oh, tout le rouge est devenu bleu. Si j'avais voulu juste changer un des trois, j'aurais pris le remplir, là, le pot de peinture normal. Vous voyez la différence? C'est ça. Ensuite, ici, le texte dessiné, mais c'est que ça nous permet d'écrire. Il y a différentes polices pour écrire là, sur notre dessin. Mettons, on va écrire ici. Je vais écrire Je suis joyeux. Et je vais l'appliquer. Et le je suis joyeux va apparaître selon la couleur que j'ai choisie. Même chose, je pourrais dire OK, je le mets tout rouge ou je le mets tout noir. Ensuite, ça ici, le Dithering Pen, ça permet de changer les pixels s'ils sont plus. Ça les rend plus pâles ou plus foncés. Si je repasse dessus, ils deviennent de plus en plus foncés. Comprenez? Ça, c'est pratique aussi pour faire des ombrages. Mettons, je voudrais faire, je sais pas moi, l'ombrage de ses yeux. Je ferais ça. Il n'a pas dormi depuis plusieurs jours, lui, c'est pour ça. Le plus ça irait, plus ça serait creux. Fait que c'est ça. Ensuite, le penseur effaceur, ça l'efface pas les pixels fines, mais en tout cas. Ça l'efface. C'est comme une efface. Celui-là, je ne l'expliquerai pas, c'est un peu trop complexe. Anyway, c'est sur PC, ça marche pas. Ensuite, ça, c'est le menu copier. Dans le fond, ça copie mon dessin. Vous voyez, au lieu d'aller dans le menu couche, puis d'y aller cloner, là, ben, ça le fait automatiquement. Je peux le faire à l'infini. Par contre, après ça, si je veux l'effacer, faut que j'aille ici puis je fasse effacer la couche. Il n'y a pas de, y a pas de menu pour ça rapide. Ensuite, si vous achetez à un moment donné la version payante, vous avez le droit à avoir le gris. Anyway, il y en a une grille en arrière là, du jaune, pas du jaune, pardon, du blanc et du gris. Ben, c'est un peu ça. Sauf que là, ils sont séparés par des lignes. Fait qu'on peut mieux voir vraiment les pixels. Personnellement, je l'utilise pas vraiment. Ça me dérange les yeux, je trouve ça vraiment gossant. Donc, mais ça a l'air que ça peut aider. Ensuite, dernière chose. Ce qui est bien. Au début, là, quand vous allez dessiner, vous pouvez choisir ici, en cliquant sur le crayon, puis en cliquant sur la petite roue, qui est vraiment petite, là, en haut de la croix. Mais là, vous pouvez choisir la grosseur des pixels. 9 pixels, c'est vraiment gros. C'est pas bien ben pratique. Fait que vous pouvez choisir, là, dépendant du niveau de détail que vous voulez faire. Je vais vous expliquer d'autres choses après, écoutez-vous pas. Vous pouvez le faire la même affaire avec les faces. Mettons les faces, là, je veux qu'elles soient plus grosses parce que sinon ça les passe juste un pixel à la fois. Je vais vous montrer. Bon, je vais juste mettre ça caché. Bon. Je vais effacer. Ah, oh, c'est ben trop long. Ben, je vais aller venir ici.
Puis je vais mettre ça plus gros. Ah. Là, je peux effacer. Mais encore là, c'est pas très précis. Fait qu'il faut y aller avec parcimonie. Ça veut dire qu'on va un petit peu par petit peu. Plus qu'on devient précis, plus qu'on baisse le nombre de pixels. Vous verrez. Donc, c'est pas mal ça pour les outils. De toute manière, comme je disais, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours revenir dans la vidéo plus tard puis regarder à nouveau. Sinon, il y a plein de tutoriels en ligne là, qui donnent des vraiment bons conseils, là. Vous écrivez tutoriel Pixel Art de Pixel Studio, puis vous allez avoir beaucoup, 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 beaucoup de contenu, là. Donc, pas de questions, on continue. Donc, ce que je vais faire, on va créer un pixel art ensemble. Donc, je vais venir dans le menu en bas à gauche. Puis ensuite, faites créer. Moi, je ne vais pas sauvegarder. Fait qu'encore là, utilisez 64 par 64. Moi, personnellement, c'est la taille parfaite. Quand je fais mes projets, je les fais pas mal toujours comme ça. Ça évite de faire trop de détails, comme je disais, mais en même temps, c'est quand même assez détaillé. Ensuite, il y a des étapes à suivre dans le fond quand on fait un pixel art. Premièrement, ma couche de fond, ici, est blanche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Moi, je fais toujours un ombrage. Donc, mon image, dans le fond, vous imaginez qu'est-ce que vous voulez faire. Et vous le faites en ombrage. Puis il faut que vous essayiez de faire un ombrage qui soit compréhensible pour les gens qui le regardent, même s'il n'y a pas de détails. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vais vous montrer. Je vais faire un ombrage. Puis moi, au début, là, j'utilise toujours plus gros pixels. Là, je vais faire un ombrage. Là, au début, je m'attarde pas trop ces détails, là, je le fais grossièrement. Ensuite, je vais le bouger un peu, je veux qu'il soit au centre de mon image. Et je continue. Fait que là, ça commence à prendre forme mon affaire. Contrôle Z là, sur l'ordinateur, là, gang. Là. Des fois, vous voyez, là, je fais de quoi, là, ça s'efface parce que je fais Contrôle Z. Fait que là, ça efface le dernier mouvement que j'ai fait. C'est bien pratique. Plutôt que d'aller ici, là, cliquer sur la flèche. Donc, à date, ça va être ça. Mon image. Je vais me mettre un crayon moins gros. Donc, ce qui est bien important, là, gang, quand vous faites du pixel art, c'est la symétrie. Qu'est-ce qu'on veut dire par symétrie? C'est dans le fond que ça soit égal à un certain niveau de chaque côté. Par exemple, moi je trouve que le côté gauche, là, il est bien, bien beau. Fait que là, ce que je voudrais, c'est le copier-coller pour que ce soit pareil comme le côté droit. Fait que là, mes outils vont être pratiques pour ça. Ce que je vais faire, je vais cloner. Oups, le copier. Ensuite, je vais me créer une nouvelle couche pour pas le mettre dessus puis que ça soit pas bon. Et là, vous allez voir, il a imprimé dans ma nouvelle couche. Si j'enlève l'autre. Là, moi, ce que je veux, c'est qu'il soit pareil le côté gauche puis le côté droit. Fait que là, j'ai mon côté gauche qui s'est copié. Je vais aller ici, pardon, dans FX, pardon, et je vais faire retourner sur l'axe. Fait que là, vous voyez, il y a dans le fond une ligne au centre, ça va retourner sur l'axe. Et voilà. Là, je vais en avoir créé une image.
qui est pareil. Mais là, si je veux pas que ça rentre en ligne de compte avec l'autre, je vais utiliser ça, puis je vais effacer. Pardon. Donc, là, ça devrait être mieux. Et voilà. Ça, c'est bien, bien beau. Donc là, je trouve que toutes les deux sont beaux. Je vais le fusionner avec la précédente. Là, ça devient une image. Donc, ça commence à avoir du sens. Quand c'est fait, quand, là, vous pouvez veiller à ce que les deux côtés soient vraiment pareils. Comme là, il manquait un pixel pour que ce soit égal comme l'autre bord. Ici, il y en a trois, ça c'est bon. Fait que là, c'est là que vous rajoutez des petits détails. Moi, je veux qu'il soit plus arrondi. Fait que là, je vais mettre ça. C'est pas Et voilà. Ensuite, je vais venir ici. Je vais effacer maintenant des choses pour donner mon image. Je vais me sélectionner. Comme ça. Ensuite, je vais venir effacer. Tranquillement. On va voir. Pour donner un effet arrondi, vous pouvez effacer des fois, vous voyez, là, c'est carré, ici. Moi, j'efface un pixel et là, ça devient plus rond. Quand vous zoomez out, quand on zoome à l'extérieur. Fait que là, je ne sais pas pour vous qu'est-ce que vous trouvez que ça a l'air. Ben, moi, j'essaie de faire un champignon depuis tantôt. Puis là, j'ai fait l'ombrage. Donc là, j'ai l'ombrage de mon champignon. C'est parfait. Ça veut dire que, dans le fond, si vous comprenez ce que j'essayais de faire avant. Qu'il y ait des détails vraiment à part le contour et l'ombrage, c'est gone. Là, ce que je vais vouloir faire, c'est faire les détails. Donc, je vais utiliser une nouvelle couche. Encore là, je viens ici, dans l'onglet couche, layers, et je vais cliquer sur le plus. Assurez-vous que le layer soit à droite. Quand vous faites plus, là, il va apparaître à droite. Si, ça veut dire que les couches vont être sur le dessus. C'est le même, ça marche. Si la layers était en dessous, ben là, on verrait pas si je dessine dessus. Je vais vous montrer tantôt. Donc, là, je veux faire des détails. Donc, je vais commencer à rajouter du blanc. Donc là, je clique ici et je fais le contour de mon champignon. Donc, encore là, regardez bien qu'est-ce que je fais. Je laisse pas d'espace ici. Dans le sens, regardez, si j'enlève le blanc, là, je pourrais faire des escaliers, mais non, je veux pas. Je veux qu'ils se suivent de même. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner tantôt. Fait que là, je suis. Le contour. Ça ici, je vais en revenir tantôt là, mais ça on veut pas ça. Vous voyez, ça fait comme un angle. Moi ça je l'efface. Sinon on perd de la rondeur. Moi je veux que ça soit rond. Encore là, vous pouvez revenir sur le calque du dessous pour le faire. Je vais falloir que je le fasse de l'autre côté. Encore là, je fais un champignon, mais quand vous allez devenir habitué avec les outils, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Ça prend juste de l'imagination puis du temps. J'ai effacé l'image. Si vous êtes patient puis que aussi vous avez des talents de dessin, là, le pixel art, c'est vraiment le fun.
Donc là, j'ai fait le contour de mon champignon. Mon champignon va être blanc. Je vais remplir ça de bleu. Et voilà. Bon. Là, je vais être rendu. Là, si vous voyez, si je clique sur la layer, elle s'efface. Mais elle est toujours là, elle est juste cachée. Je vais en créer une nouvelle. Moi, je crée toujours des layers. Parce que je veux être sûr de ne pas perdre mon image, mais en même temps de comparer des fois. Là, je vais faire le bas de mon champignon. Ça, je veux qu'il soit gris. Donc là, je vais venir chercher une couleur un peu plus grise. Donc là, je vais faire la même affaire. Oups. Je vais venir faire le contour, remplir l'intérieur de mon champignon. Et voilà. Vous voyez? Donc là, j'ai fait le bas. Ensuite, mon champignon, il est toxique, ou en tout cas, je sais pas quoi, là. On va faire des formes. Donc là, j'ai créé une nouvelle couche. Je vais utiliser les ronds. Et je vais prendre le rouge. Là, je vais faire des ronds rouges. Que je vais remplir ensuite. Hein, ça commence à avoir du sens, cela. Fait que je vais copier, puis coller mon pattern, mon design. Je fais plein de ronds rouges. Là, vous allez voir, je vais faire un effet ensuite de perspective. Là, j'en mets ces bords. Inquiétez-vous pas, je vais les enlever après. Vous allez comprendre. Donc là, j'en ai qui dépassent mon champignon. Ok, peut-être un dernier. Ça. Bon, là, vous me direz, c'est bizarre, là. C'est normal. Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux faire avec ça. Donc là, j'en dépasse. Bon. Parfait. Donc là, comme vous voyez, les ronds dépassent. Par contre, j'aime ça le fait que ça soit. Moi, je veux qu'il y ait un effet de perspective, que ça fasse le tour du champignon, ces ronds-là. Fait que là, je vais utiliser mon efface, puis je vais suivre les lignes que j'ai faites au début. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours enlever la couche, puis je vais enlever le rouge qui dépasse. Fait que là, je suis ça tranquillement. Encore là, comme je disais, il faut s'appliquer. Accrocher mes outils. Donc, je vais enlever ça, pas besoin. Oups, ça je vais le garder. Fait que là, je vous montre. Donc, ça commence à avoir du sens tout ça. J'en rajouterai un dernier. Ici, je pense que je l'ai effacé tantôt sans le vouloir. Donc là, oups. Et voilà. Bon. Pas pire, hein? Ça commence à avoir du sens tout ça. Donc là, j'ai un champignon vénéneux. Encore là, je ne veux pas bouger la couche, je veux bouger le champ. Ok. Ça donne mon champignon. Ensuite, ce que je ferai,
Moi, personnellement, je rajouterais de l'ombrage. Fait que là, pour faire un ombrage sur le dessus, j'utilise une autre couche, je mets du noir, puis je vais venir faire une ligne. Puis je vais remplir tout ça ici de noir. Quand vous tenez longtemps votre souris sur une couleur, ça va utiliser la pipette. Donc, je mets ça comme ça et je remplis de noir. Là, vous me direz, ouais, mais là, on ne voit pas le dessous de mon champignon. Et c'est là que les layers et la transparence, la couche rentre en ligne de compte. Je vais baisser ça à peut-être 20%. Ah, commence à avoir de la texture là-dessus. Puis ensuite, je ferai la même chose avec le bas de mon champignon. Mais le bas du champignon, pardon, il a fait. Ça, oups, je suis désolé, j'accroche les pitons. Fait que là, je vais remplir ici. Je me suis créé une autre texture. Et même chose, je vais descendre à 20%. Et voilà. Donc, après ça, ben, je pourrais créer d'autres couches. Puis ensuite, ben, mettre ça en arrière, en avant, fusionner le tout et l'exporter. Donc, comme je disais, vous pouvez essayer, là, il y a plein de choses à faire avec ce logiciel-là. C'est vraiment, vraiment fun. Mais il faut juste justement prendre le temps de se familiariser avec tous les outils. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Donc, je vais vous laisser faire vos choses. Puis, si jamais vous réussissez à faire des beaux pixel art, ben, vous pouvez me les envoyer en commentaire. Moi, je serais bien content. Puis, je vais vous mettre mon champignon en commentaire. Bonne fin de journée!